Bonjour et bienvenue, on est reparti pour du War Tales. On va continuer notre aventure avec notre équipe de 31 personnes. En comptant les animaux aussi. Et les abominables hommes des neiges. Donc on va se concentrer sur une chasse au trésor. On a une chasse au trésor à faire. Ça, on a une chasse au trésor et après on va essayer d'aller trouver le tavernier. Avec de la chance, le tavernier va nous donner des nouvelles recettes pour les aliments qui nous manquent. Donc ça aussi ça va être cool, donc ça va être là. Pour la chasse au trésor, je pense que c'est un des deux, donc on va y aller, on va voir un peu ce que ça nous donne. C'est parti. Hop. On n'a pas vraiment besoin de se reposer ou quoi que ce soit. On passe par là. On est encore boosté comme des oufs, hein. On a tout ça en boost, donc pas vraiment de problème. Ouais. Et potentiellement, en fait, c'est ça. Mais comment on y va? Ah, il faut faire tout le tour. Oh, il y a des loups en plus. Je pense qu'il faut aller là, en fait. Faut genre faire ça. Ouais. Donc du coup c'est bien là, c'est bien ça. Ok. On y va. On va faire... Ouais, on verra plus tard. Je sais pas. Franchement j'ai envie d'avancer un peu. Dans le monde. Là, vu qu'on a un peu d'argent de côté et tout, ça va. J'avais pas mis des... si, là. Donc là, on a encore un cran. Le père est prêt à tomber. Des ennemis arrivent, des renforts. Ok, ça marche. Elle est où, la corde? Mais en bonne direction. Oui, ah, ok, bah tiens, on les a trouvés. Eux, on peut les tuer par contre. Comme ça, il n'y aura pas de renfort. Je crois que mon jeu tourne depuis un peu. Putain! Ils sont nombreux. Tourne un peu depuis trop longtemps, il n'y a plus de musique. Putain, ils n'étaient pas de très longtemps quand même. On fait tout dans le calme. 1, 2, 3, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ils sont où les autres? 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. D'accord, 3 groupes, ça va. 3 groupes, ça va. 3 groupes, c'est facile. Alors. On n'a pas besoin de deux ours, pardon. Attends. Voir un peu les tanks. Ça, ça, ok, nickel. Et pour le troisième groupe, comment on fait? Ok, ça, ouais, ça va. Ça va, ça va. On va mettre... Laura comme ça. Ouais, nickel. Est-ce qu'on fait un peu de poison? Parce qu'après, je dois avouer qu'ils sont bien placés pour tous crever du poison. J'avoue que ça te donne envie. Non. Bah, il est où? Il est là. Ouais, ça c'est pas mal là. Pour une histoire de poison, ça peut être pas mal. Genre cela là.
Bah, peut-être qu'on va pas avoir les 5, mais au moins les 4. Mais ça peut être bien. Ok, c'est parti. Ah, ça va être... je devrais relancer le jeu, honnêtement, parce qu'il n'y a pas de musique. Peut-être que je devrais, genre, recharger la partie, peut-être que ça débloque. Alors, on va se mettre comme ça. Tu fais mal, toi. Un voleur. C'est pas l'idéal, mais... Voilà, très bien. Avec de la chance, on peut tuer les deux. Enfin, un au moins. Très bien. Parfait. Je pense pas qu'on va pouvoir faire ce que je voulais faire. Alors, on va pas vraiment jouer gros poison en fait. On va jouer petit poison. Alors, bon, genre on va pas doubler tout ça. On va y aller doucement. Ok, est-ce que là je pourrais toucher les trois? Ça m'étonnerait. Hein. Pas mal. J'ai hâte d'être niveau 11 quand même hein, pour les nouvelles armures et tout ça. Ça va faire une grosse différence. Hein. Là, j'aimerais bien... envoyer le chien. Très bien. Je fais quand même mal, hein, 28 sur ça, c'est beaucoup, hein, sur un loup, hein, c'est pas rien. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse à faire une brochette. Pas mal là. Poing, poing, poing. C'est pas mal. C'est bête que ils s'éloignent pas en fait dans le bon ordre. Parce que du coup ils se gênent les uns les autres. Mais ça aurait été là on aurait pu tous les placer là par exemple. Ça aurait été cool. Ça aurait été vraiment vraiment cool. Oh mon dieu. Siléa, au début, elle était pas top top, surtout avec la hache, elle était un peu médiocre au début. Après, quand on a commencé à bien l'utiliser, elle est devenue très intéressante. Et après, maintenant, avec les huiles, genre avoir du saignement avec le poison et tout ça. Et le bouclier au début aussi, c'était pas trop ça, mais en fait, il est devenu vachement intéressant parce que ça lui permet de retaper. Enfin, tout ça pour dire que au début, elle était pas énorme, Siléa, mais maintenant elle est devenue une de mes compagnons préférés quoi, à jouer. Parce qu'à chaque fois, elle fait des trucs un peu incroyables, quoi. Elle fait super mal, tout le temps. Toi, ça va. Ah, je trouve qu'elle fait méga mal tout le temps. C'est incroyable.
sans deck, putain, j'aurais dû... Bah tiens, on l'a soigné. Je pensais que ça allait taper deux fois et tuer. Et après, comme ça, on pouvait lancer la faucille sur lui. J'aurais dû lancer la faucille sur lui d'abord. C'est pas grave. Joli. Ah, il avait déjà ralentissement, du coup il se prend des dégâts à la vie. Qu'est-ce qu'on peut balancer là? Il y a Johan qui attend son tour. Très bien. Hop. Débile. Ah, le coût entre amorphe et 50% de... de taper, de faire le coup d'opportunité au lieu d'en prendre un, mais... Enfin, voilà quoi, c'est absurde. C'est un tout petit peu absurde. Ah, c'est bien, comme ça tu peux faire le double. Le deux bravoure. Putain, joli ça. Joli l'enchaînement. Très joli l'enchaînement. Là c'était très très beau. J'ai beaucoup aimé. Toi. C'est bête qu'elle est... Ouais, je sais pas. Le bouclier, on garde le nouveau, mais c'est vrai que... Je suis en train de me demander si c'est vraiment très très utile. Regarde-moi ça, quoi. C'est débile. Alors, est-ce qu'on peut aller... ...42 lancés de faucilles restants. J'en ai fait pas mal, des faucilles. J'en ai fait aussi des nouvelles. Parce que je crois que j'ai fait 3 armures de chaque catégorie avec le nouveau acier. Nouvel acier, le dernier. Je sais plus le nom. Donc on devrait être bon, je crois. J'ai plus trop compté, parce que vu qu'on a changé certains compagnons qui étaient en lourd, qui sont passés en intermédiaire et tout ça. Donc je sais plus trop en fait combien il nous en faut. Mais bon, on a beaucoup de métal de toute façon. Pas vraiment un problème. Mais ouais, j'ai déjà fait des hachettes et tout ça, et des faucilles du nouveau métal. Elles vont faire super mal, c'est incroyable. Très bien. Oh. Non mais... Voyons. Oh, pardon. Toi, tu peux sûrement tuer un des deux. Très bien.
Je suis content d'avoir trois archers. Parce que honnêtement, j'aime beaucoup les archers, mais. Les archers, c'est fragile. Être un peu dangereux la bombe. Pas que je me loupe. Pas mal. Oh la vache. Ouais, je crois que je t'ai déclenché fureur en fait par erreur. C'est pas grave. Je pense que les ours ils carrient un peu la game hein, maintenant. Enfin, ils peuvent carry complètement la game en fait. Si on jouait que ça, genre on en prend 4, j'ai envie de dire. Genre si on a une équipe où on n'a pas beaucoup de gens, imaginons. Que vous êtes. Nous on est quoi? On est 2 de chaque classe. Ça fait quoi? 12? Non. Combien il y a de classes? Oui, je crois que c'est ça. Enfin, imaginons que vous êtes que 8, à la limite. Que 8, en plus, vous consommez pas beaucoup de nourriture et tout ça. Si vous prenez 4 ours pour compléter votre équipe, honnêtement, vous êtes tranquille, quoi. Amorphe. J'aurais pas pu le tuer. Qu'on enchaîne. Mais ouais, je... On aurait pu tuer tout le monde en fait. Hein. J'ai un peu merdé. C'est pas grave. Tir vicieux, l'épée... on va prendre les cadavres. Ouais, nickel. Mais ouais, une équipe de 8, honnêtement. Même... Mais 4, ça fait très léger. Non, 8, c'est très bien, je pense. 8, c'est super bien. Et vous prenez, du coup, le château de Ganderwald. On va aller voir le... C'est quoi ça? On va aller voir le... Le trésor. Nous attaquent même plus les animaux. Je crois que c'est entre la voix et la nourriture là. Du coup, ils nous attaquent quasiment plus. On doit être sûrement passé. On doit sûrement passer très proche d'eux pour qu'ils nous attaquent. Je n'arrive plus à formuler mes phrases. Allez vite avant que les autres arrivent. Ok. Je disais quoi? Ouais, voilà. 8 personnes. Prenez des ours blancs, histoire de compléter votre troupe. On va tout prendre. Ah, ils nous attaquent pas. Hein. Nickel. Elle est où la corde? Elle est là. Ah, c'est compliqué pour le corps. Faut que je regarde ce qu'on a eu. On a combien de bravoures? 7. Okay. Oh. Arnois d'Alazar. Un secret.
Oh, il y a l'ombre. Encore qui se balade. Putain, mais c'est quoi ce truc? T'es sérieux? Vous campez devant la corde? Vous pouvez partir? Merci. Non mais elle est où la corde? Non mais... J'ai un problème, jamais je la trouverai, hein. Oh, on peut cliquer sur le crochet. Oh, ça tue, je viens juste de découvrir ça, quoi. Même si on est en contrebas, en fait, on peut cliquer directement sur le crochet. Oh, c'est terrible. Bon, on va aller au château. Oh, c'est terrible. Bon, d'abord, on va regarder ce qu'on a eu. Ah, tain, c'est bien ça. Ah, ça me posait tellement des problèmes de devoir trouver la corde. Alors, on a eu ça. Pioche de maître. A une chance que les gemmes obtenues en minant soient de qualité. Des gemmes de qualité? C'est-à-dire quoi? Pourra tester. Ouais. Pourra tester à la limite, parce que je vois pas ce que c'est des gemmes de qualité. Je crois pas qu'on en ait. Pas qu'on en ait jamais vu, quoi. Alors, le harnais d'Alazar, on s'en fout. Le glaive du légionnaire, on s'en fout. Ouais, non, je sais pas ce que c'est des gemmes de qualité. Je vois pas à quoi ils font référence. Il a abandonné le château en fait. Je crois qu'il a abandonné. Tout cas, la forge, elle l'est. Montez, ok. Leave while you still can, mercenaries. Maybe the evil spirits of this place haven't spotted you yet. Quoi tu parles? This castle has been haunted since my ancestor left to wage war in the faraway land of Harag, only to bring back this curse with him. Monsters appear when night falls. As soon as I dare fall asleep, they swarm the castle to wreak havoc and try to kill me. Others came to help me, but none of them survived. T'es sûr que c'est pas désinfecté? Faut revenir la nuit. Putain, ça tue l'histoire. Moi, je suis content. Il y a vraiment des créatures. Dormir. C'est un compagnon qui dormira dans la nuit. Les compagnons sont réveillés par le violent bruit provenant du rez-de-chaussée. Duan a disparu. Oh! What? Qu'est-ce qui se passe? Ça tue? Ah, mais c'est des crocopores. Créature vous barre la route. Ces esprits d'Arag ont l'air féroces. C'est des crocopores, on s'en fout. Ah. J'avais dans l'espoir que ce soit des crocopores de niveau 14. Là, je me dis, hein, 14 Pourquoi pas? Ah, bah attendez! Vu qu'ils sont de haut niveau, et si je dis pas de conneries, les crocopores, c'est pareil que les sangliers. Donc au lieu d'avoir un sanglier, pourquoi on prendrait pas un crocopore à la place? Parce que le coup du... Le coup du...
Du sanglier, c'est bien pour les champignons. C'est con qu'on ait plus de Johan avec nous là. Je pensais qu'il allait genre devoir combattre seul ou un truc comme ça. On va essayer d'en capturer. Parce que je veux bien en récupérer en fait. Et le truc, ça sera notre mascotte cochon en fait, sanglier. Je pense que ça peut être pas mal. Ce déniveau 11, ça court pas les rues quoi. Est-ce qu'il y a un meilleur endroit pour prendre. Ouais, ça ira. Je suis pas très serein en fait de les laisser combattre ici. Il nous manque Johan. Johan, il pouvait solo plein de trucs, donc. Donc ouais, non, on va pas combattre en bas. On va les faire venir, c'est pas grave. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais ça ira. Je préfère ça. Ouais, c'est plus safe comme ça. Plus safe. Crocoport, chaque fois qu'une unité termine son tour adjacent à une unité ennemie, elle gagne riposte. Même pas regarder qui c'est qui a commencé. Ok, ça va. Ah oui, c'est vrai qu'ils font ça. J'avais légèrement oublié. Ouais, je veux bien en prendre, comme ça on n'aura plus besoin de prendre des sangliers. Parce que les sangliers, on les prenait pour un peu de nourriture de temps en temps. Mais là, du coup, on arrête. Très bien. Toi. Sûrement en faire quelques-uns. Très bien. Hop, ça va nous en faire deux. C'est qui joue? Donc ça doit être sûrement lui. On en prend quelques-uns pour avoir un avec des traits intéressants. J'ai pas fait l'attaque, je peux pas faire mon attaque du coup. Pas d'un, hein, fait se dormir, l'appeler le mur. Point attribué. Loran, le mur. Ok. Mais il est où, Johan? On a perdu Johan à vie, c'est ça? Thank you.
On aurait deux fois le mur. Mais ça fait con que l'autre soit un mur aussi. Genre le fourbe ou un truc comme ça, quoi. Mais le mur... ça fait un peu débile. Faudrait les mordre. Qui comment, qui quoi. Ouais, d'accord. D'accord. Ouais, bah oui, le nounours, il est vénère, hein. Oh mon dieu, il va falloir aller les chercher. Honnêtement, je pensais pas qu'ils allaient être aussi fragiles. J'avoue. Je pensais qu'ils allaient être quand même plus résistants. Et qu'on passerait un moment un peu plus difficile à les combattre. Mais j'avoue que c'est un peu bof, quoi. Bien. J'avoue que c'est bof. Déplacement qu'ils ont, quoi. Jamais ils vont venir vers nous en plus, c'est bien. Jamais ils vont nous attraper. Nous rattraper. Aïe 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 aïe. Alors, je crois qu'on a quasiment tué tout ce qu'on avait là. Ah, fait chier. Là, je suis en train de me demander si on devrait pas remettre l'autre bouclier pour la fragilité. Parce qu'en plus, elle a elle l'attaque x2, donc j'avoue que c'est un peu de pas l'utiliser. Ouais, c'est un peu débile. Faut que je rentre et que je lui remette l'ancien bouclier. Celui-là, il est vraiment pourri en fait au final. Yay, bien joué. Ouais, plus que 4, plus que les 4 du bas. C'est marrant de voir des crocopores ici. Ah, ils viennent d'Arag, hein, quoi. C'est assez drôle. Faire attention aux moustiques parce que ça va faire super mal, je pense. Pour l'ours. Enfin, c'est pas je pense, ça va faire super mal, c'est basé sur la vie. J'aime bien les traces dans la neige, plutôt cool, c'est bien fait. Pas 179.
Honnêtement, je pensais que ça allait être un peu plus. Au final, ça va. Ah, faut booster leur déplacement. Même toi, tu fais mal, c'est abusé. Au final. C'est bon, tout le monde est mort. Ah non, peut-être pas. Bon, allez. Je comptais le tuer avec la faucille, puis après taper celui-là. Bon, au final, ça s'est joué différemment. Voilà. Bon, où est Juan ? L'un des esprits d'Arax s'est enfui en direction de la forge du château. Esprit d'Arag, niveau 14. Fear! Fear the wrath of Arag! Menacer l'esprit d'Arag. Convaincre l'esprit d'Arag de vous dire la vérité. I'll tell you the truth. I'm not a Harag spirit. It was just a disguise. I made up the whole story to be able to destroy my ancestor's castle. After enough people had died and gone missing, the prince would have accepted my request. Attends, ça veut dire que tu tues tout le monde? Drombach forbids the destruction of buildings dating back to the time when Alazar was still called the Northern Kingdom. But with the old pile still standing, how can I mine the Rhyme Steel deposits that lie below? Ah. Here. Take this as thanks for not killing me when you had the chance. I would have deserved to die. Your companion is right here. You can take them back. Ouais, y a intérêt. Ouais. What happened? C'est quoi ta voix? What happened? Oh putain. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je vais galérer pour le remettre en. Oh là là. Oh mon dieu. Faut faire comme ça. Parce que des fois ils sont buggés. Je sais pas d'où vient. Oh mon dieu. Je sais pas d'où vient ce bug. Oh là, c'est la merde pour le faire passer. Il faut faire comme dans une suite en fait. Hop. Donc du coup on a deux murs. Donc ça veut dire que en théorie on peut avoir plusieurs personnes avec le même titre. Donc par exemple là, bon après à chaque fois il faut les enlever du groupe. Donc en fait je pourrais déposer. Putain ça je crois que c'est un truc qu'ils ont pas pensé en fait. Parce qu'en fait, le jeu prend en compte les gens qui sont dans le groupe. Pas si vous avez déjà le... Oh mon dieu, il est où ? Si vous avez déjà eu le titre, en fait. C'est vachement intéressant, ça. Ok, Miguet. Putain. Ils sont pas dans l'ordre ! Attendez une seconde. Tac. Après c'était les archers. Comme ça, comme ça. Ok, c'est bon. Donc ouais, en théorie on peut même du coup genre déposer, je sais pas, on va dire le balafré. Le balafré c'est, il faut avoir des blessures. Donc on peut en avoir un autre en fait.
L'avare, je crois que c'est être payé. Donc en fait, je suis sûr qu'on fait, on paye une fois et je suis sûr qu'on a un autre avare. T'as combien de volonté de base? On va te mettre un peu plus de volonté. Si jamais on arrête de jouer du luth, tu vas être dans la merde. Donc ouais. Donc c'est un truc à garder en tête. C'est une chose à garder en tête si on veut vraiment booster nos personnages. On peut faire en sorte d'enlever ceux qui ont déjà un titre. Après, comme j'ai dit, il faut des titres faciles à faire. Genre le mur, ça doit être genre d'engager, je crois. Je me rappelle plus le message qui est apparu. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? L'avare, c'est se faire payer, ça je sais. Qu'est-ce qu'on a après? Égorgeur, bon bah c'est les attaques dans le dos. Balafré, c'est prendre des blessures. Donc par exemple avec les abeilles, lui c'est à cause des abeilles en fait qu'il a eu ça. L'habile, je sais pas. Ça doit être tir à l'arc. Le nettoyeur, c'est en détruisant les... comment ça s'appelle? Les nids là, de rats là. Enfin, pas les nids en eux-mêmes, mais les trucs à l'intérieur. L'ami des bêtes, c'est passer des nuits à côté d'une des bêtes. Et après, bah c'est tout. Donc ouais. Ouais, on pourrait faire ça. Peut-être que je testerai quand j'ai le temps. Genre, je dépose Laura, par exemple, parce que c'est l'avare. Et quand on doit payer, et on paye. Enfin, je passe une nuit, je paye, voir si ça déclenche ça. Alors, fais voir s'ils ont les mêmes skills. Oui, ils ont les mêmes skills. Donc ouais, on peut faire ça. Agile et lâche. Sanglier chétif. Fort et sanguinaire. Rapide et solitaire. Sanguinaire et agile. Rapide et solitaire, c'est pas mal. Ah oui, on en a un là aussi. Sanguinaire et pied beau. On a combien? 150. 150. Ben, le rapide et solitaire, c'est pas mal. 21, 29. Fort et sanguinaire ou... Solitaire, je crois que ça fait plus de dégâts quand même, 10% de dégâts en plus. Par contre, qu'est-ce qu'on lui met? Alors, la bête mange les restes, réduit sa volonté, sa consommation. Dégâts subis réduits de 25%. Ils ont beaucoup de vie ou pas? Pas beaucoup. Est-ce que les crocopores deviennent gras? Je pense pas. Hein. Je pense pas que les... Toi, tu vas rester là, parce que qu'on te mange pas. Rapide et solitaire. Je pense pas que les crocopores deviennent gras. À moins que ça ait changé, mais ça m'étonnerait. C'est pas mal hein, de faire ça. Comme ça, on peut directement les exécuter. Mais bon, vu qu'ils sont pas gras, ça donne pas beaucoup.
Après, s'il faut, ils ont fait en sorte que maintenant, on peut les mettre gras. Hein. C'est une probabilité. Hein. Parce que farmer du crocoport pour leur viande, c'est relou. Hein. Ils nous en donnent pas énormément. Donc là, du coup, on fait un élevage de crocoport et hop. Ok. 17. Donc toi, du coup, on peut s'en débarrasser. Donc on a eu le blason cousu. Blason cousu, ça peut être bien pour toi à la limite. Ouais. Désolé, je prends un peu de temps, je réfléchis. Donc qu'est-ce qu'on fait avec le... Avec ça. Tu consommes 6. Consomme 6, ce qui est chiant. Là, tu consommeras que 4. Et honnêtement, on s'en fout un peu que tu consommes 6. On va mettre de la volonté. Que je me suis dit, on peut faire ça, ça fait moins 2, mais bon, honnêtement, on a tellement de nourriture qu'on s'en tape un peu. Du coup, on pourrait mettre dégâts subis réduits de 25%. Pour le moment. Après, le mettre au feu, ça sert à rien. Enfin, le transport non plus, ça sert pas à grand chose. Je sais pas, est-ce que ça sert à quelque chose de le mettre au feu? Bah oui, ça fait plus de d'influence. Et après, donc, riposte, on s'en fout, on veut ça. Comme ça. Comme ça, il pourrait être bientôt 12. Voilà. Ne brûle pas le museau, hein. Tada. Tu peux être ami avec le rat. Si tu veux. Non, mais le rat il se met là comme ça. C'est ce que je préfère. J'aime pas en fait les mettre ces animaux au feu parce que maintenant le feu en fait il est beaucoup plus large qu'avant. Donc ça glitch un peu à travers, ça passe un peu des fois quand il bouge. Bon ben voilà, on a notre crocoport, mascotte, je sais pas trop quoi. J'ai pas de... Ah, peut-être que je peux en faire. Désolé, je prends un peu de temps, hein, mais... Il nous faudrait un collier. Non, j'en ai pas. Il me faut du gibier. Ah, fais chier. C'est pas grave. De toute façon, t'es résistant. Tu devrais pas avoir de problème. Et si jamais il devient gras... Et ben, du coup, ça veut dire qu'on peut faire des élevages de crocoport. Ça, c'est pas mal, ça. Si jamais on veut plein de nourriture. Ok, c'est bon, on peut repartir. On consomme un peu plus. Mais bon, ça va. Au moins, on a... Ce que j'étais en train de me demander, moi, si je voulais pas prendre une lait à la place d'un sanglier... Parce que c'est plus gros et c'est plus intéressant. Pour avoir le niveau maximum, enfin le 12 en fait. Parce que j'essaye d'avoir tout type de d'animaux et de classes et tout ça au niveau 12. Comme ça on peut voir un peu toutes les habilités. Donc je me suis dit... Ah, crotte encore. Je me suis dit, pourquoi pas prendre une lait à la place d'un sanglier. Mais là c'est encore mieux. Donc on a plusieurs grottes. Elle est où l'autre grotte que j'ai vue tout à l'heure? Je me rappelle plus. Il y avait une autre grotte aussi, non? Je sais plus. Bon, on va voir ça. Oh putain!
Si cet homme est bien le tavernier, il est en mauvaise posture. Des ours blancs niveau 14. Non, on va pas les... Non, on va pas les prendre. Non, faut que j'arrête. On va pas comme recommencer à... apprendre, à essayer de trouver les traits parfaits, ça sert à rien. Hé, hey, vulnérabilité, parce qu'on est en intérieur. C'est con, hein. Ah, personnage apeuré, c'est marrant, ça. Cette unité est apeurée, elle ne peut que se défendre ou fuir. Au moins, t'as beaucoup de vie. Ah tiens, en parlant de ça, là, des armures de base, là. On peut les mettre... sur les... Attends, mets-toi en défense. On peut les mettre sur les... comment ça s'appelle? Ah. Je vais y arriver un jour. Les bonhommes de neige, là. Eh ben, on peut leur mettre ça. Donc, techniquement, on peut leur mettre des armures, en fait. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul type d'armure de base qu'on peut crafter, et c'est un peu de la merde. Hein. Mais on peut leur mettre de l'armure. C'est... Voilà, c'est possible. Alors, elle aura... Donc voilà, ça c'est une bonne chose à savoir. Elle aura... Il y a plein de gens qui peuvent pas passer, c'est relou. Laura, elle est là. Je peux pas passer. Donc ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est intéressant. C'est intéressant. On peut mettre ça. Genre, c'est si jamais on veut les utiliser en tant que combattant. Hein. Mais bon. Ça reste quand même très fragile. Hein. Ça va, c'est bien. Très bien, on a deux tours pour le tuer par contre. Bon, il va mourir, hein. Ah non, il va pas mourir. Honnêtement, j'ai envie de l'attraper juste pour éviter qu'il nous défonce la gueule. Je risque de regretter parce que là on va se prendre une baffe. Pas de dégâts, c'est ouf. C'est marrant, ça déclenche pas ta furie, le lancer de hache. Intéressant.
encore bien le blinder en rage, ça va être bien. Je devrais pas jouer comme ça, c'est dangereux. C'est trop dangereux de faire ça. J'aurais dû faire affaiblissement d'abord. On peut les tuer si je fais pas le con. Comme j'ai dit, je vais peut-être les attraper en fait pour éviter que ça nous foute dans la merde. Voilà, je fais combien? 223. Un critique. Pas mal. Mouais. Je sens que j'ai fait une connerie. Je sens que j'ai fait une connerie, moi. Ouais. On va éviter de faire ça. On va éviter de faire ça.
Toi, t'as les... l'attaque est baissée. Menet, ça va, il est résistant, donc ça devrait aller. J'ai une idée. J'ai une idée. On peut l'attraper aussi. Voilà, 1443. Ah, c'était dangereux, hein. J'y ai pensé le coup du... Ils peuvent être super dangereux, en fait, si on les joue mal. Ouais, ils peuvent être méga, méga dangereux. Why? Why did you save me? The Eye sent those bears to kill me. I deserve to die after a dead survivor's reckoning. Putain, encore. I'm a heretic. I have slaves. I made a fortune on my neighbor's backs. I didn't go to church. Everything that's happening to me is my own fault. Alors, proposer au tavernier de l'emmener se faire exécuter par l'Inquisition. Ok. Ou alors convaincre le tavernier de revenir à Nouvelle-Astel. Raisonner. If the townsfolk think I'm a true believer, then it must be true, right? Maybe the Eye's reckoning was targeting someone else. My slacker of a slave, for instance. Oui, exactement. Yes, it's his fault, not mine. I won't sacrifice myself for that heretic. Take me back to the Lady Mayoress of New Astel. C'est bien la religion, comme on peut toujours tout modifier en la prenant à l'envers, c'est cool, sympa. On en fait ce qu'on veut au final, c'est bien. Alors, fais voir les... Normalement, il a ça, lui. Donc, soit de qualité. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Il n'y a rien eu d'intéressant dans ce que je viens de miner. Il n'y a strictement rien eu d'intéressant. Non, mais je vois pas... Non, mais les territes, hein. Les territes, hein. Bon, on va devoir rentrer. Là, il y a le rat. Alors, faut voir. Quoi ces combats? On entend des combats. Tiens, on va visiter un peu. Je suis sûr qu'on a le niveau hein, pour les rats maintenant. Mais bon, vu qu'on a pris l'habitude de les faire plus tard à chaque fois. Genre en fin d'histoire. Ok. Et on va sûrement avoir les nouvelles recettes. C'est pour ça que je voulais pas que le mec meure, en fait. Parce que je voudrais les recettes de nourriture. Le Clocopo a trouvé un champignon. C'est pas là.
qu'on dorme. Limite, faut qu'on dorme deux fois, quoi, pour la bravoure. Mais ouais, on se fatigue pas du tout. Il faut que je commence à utiliser genre 30% de... d'expérience en plus, des trucs comme ça, là, avec le drapeau. Ah non, normalement elle est sur le marché, la femme. Qui nous a embauchés. Voilà. So, any news about our innkeeper? By Saint Elier, not here. Meet me outside, quickly. Hors du marché. Oh, I can't wait to see him. Where is he? Il est là. Silric, I'm so happy. Mercenaries, you brought him back as promised. Please accept this reward. Don't worry about the village. We know how to hide our innkeeper from the Inquisition. C'est tout? Il est reparti en direction du marché. People are giving me dirty looks. The lady mayoress piled a bunch of new instructions on me. I wonder what's going on. Ok, on peut prendre... On peut prendre ça. Nickel, donc... Tada, donc on a déjà... On a un plat sur les deux, je crois, du coup. Alors, rôti en sauce bleue. Les animaux ont une portée d'agression plus petite et abandonnent plus vite la poursuite. Donc c'est du poulet, des myrtilles et du miel. Ah, il faut pas de sel. Ah, c'est bien ça. Enfin, c'est bien. Enfin, c'est, peu importe. Ok, 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 ok. Très bien, il nous en manque deux encore. Je me demande ce que c'est ça, les torches là. Non, c'est où, c'est là. Ça, là. Ça a l'air d'être une super torche, en fait. Ça m'intéresse. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a plein de trucs, je sais pas ce que c'est. Bon, bah, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a à faire encore? Faudrait qu'on dorme, comme j'ai dit. Est-ce qu'on veut garder des trucs? Ça, on peut le virer. La pioche de maître, je vois pas on va la garder sur soi juste au cas où, mais oui, je vois pas trop l'utilité en fait. Ça, on s'en fout. Ok, on va regarder le forgeron. Make sure to close the door behind you. Those nosy inquisitors are everywhere. Ok, ils sont là les trucs, ok, ça marche. On peut juste les casser. Mais ouais, pour les mains gauches, là, les lancers, là, j'en ai fait quelques-unes de ça. Genre, elles vont faire super mal, honnêtement. Elles vont faire méga, méga mal. Donc ça va être cool. Puis les armures, hein, pff, elles vont être terribles. C'est plus du double qu'on va gagner. Et encore là, c'est pas vraiment le bon chiffre. Hein, genre 251 d'armure, c'est faux. Hein. Que nous, on a 10% en plus à chaque fois. Et si on l'a fait en 3 étoiles et tout, c'est encore pire. Enfin, on les fait en étoiles en plus. Ah, ça va être énorme. Hein. Ça va être énorme. Une fois qu'on sera tous niveau 11, c'est bon quoi. Ça va faire comme quand on avait combattu pour la première fois les Alazar, où on a un peu galéré. On a dû. Thanks to you, my remedy is almost ready. Do you need anything else? On a dû faire un peu de stratégie et tout ça. Et puis après, quand j'ai fait une pause, que je suis allé farmer. Enfin, je suis allé farmer. Enfin, si, j'ai dû farmer des. Les comment ça s'appelle? Les cuirs blancs. Et au niveau 5, on a tous changé d'armure et après c'était tranquille pendant un long moment quoi. On avait plus de problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Renseignement convaincant. Interroger les soldats de la tour vaillante. On a ça aussi, le lieu défendu. Au niveau du point. Okay. On peut retourner là-bas. On va dormir d'abord. Je vais regarder les missions qu'il y a. On va dormir, on va se booster encore en. People are giving me dirty looks. Might she be looking for work? Qu'est-ce que tu as? Il n'y a pas grand chose en fait. On va chanter. People attention. Are giving me dirty looks. Musique, elle est forte. Je fais toujours celle-là maintenant parce que ça augmente comme ça notre influence. Ça permet de l'utiliser sur l'émission. Voilà. Sur les missions, parce que honnêtement, quand on commence à prendre des missions en influence, on doit balancer au moins 300 ou 400 d'influence, je crois, pour une seule mission, si on veut l'augmenter au max. Donc c'est un peu abusé. On est à 1500 déjà. C'est pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de cadavres, c'est ça ? 17. Ça, on n'est peut-être pas obligé d'en faire plein parce que là je dois en avoir déjà un petit paquet de gâteaux là, de soupe d'humain là. Et ça consomme des choses assez rares en fait. Là, voilà, on passe à 1300. Non, 112, ça va, pas de problème. Ça fait une grande économie aussi, hein, parce qu'on peut faire tellement de choses sans se reposer. Donc rien que le fait de payer tous les trois repos là, c'est nettement plus bas maintenant. On a ça aussi. Le velouté, je l'ai pris. Et c'est quoi l'autre truc de gâteau là? D'influence. On va avoir quoi? 9 de bravoure, je crois. Certaines inquisitrices Ameria vous attend dans le camp de l'Inquisition. Ok. 90 d'influence parce qu'on a plein de bonheur. Ok, ça c'est cool ça par contre. J'avoue que c'est vraiment fun. Non. On pourrait faire oui et après lui mettre plein de... De constitution, mais non, on va pas faire ça. On a déjà trahi un, ça suffit. Hop, enfin, quoi qu'on pourrait le faire, honnêtement. Non, c'est bon. On va pas se prendre la tête pour ça, c'est bon. Je sais pas comment c'est. C'est juste des petits détails. Je sais pas à combien on arriverait si on les faisait tous. Peut-être 1900. Alors, non, c'est ça que je vais faire. Maintenant, je suis en train de me demander. Peut-être qu'on devrait. Comme ça, on les fait tourner. Comme ça, ils demandent tous à être affranchis. On augmente
leur constitution, puis après on leur remet les chaînes. Celui-là qu'on a trahi, il est là. Berlin, il est là. Il est pas très content. Il est pas très content, donc du coup, on le laisse enchaîner depuis. Mais ouais, il pourrait passer 138 de poids. 126. Ouais, on gagnerait... Ouais, on va dire une quinzaine. On n'a pas mis tout en constitution avec lui. Donc on pourrait faire plus. Enfin bref, c'est pas grave. Comme j'ai dit, c'est du détail. Bon, bah du coup, on va là. On va voir ce qu'ils nous veulent. Je crois qu'on va avoir des problèmes avec l'Inquisition. You may wonder why I, an inquisitor, would call upon unbelievers like you. Ouais. Et être aimable aussi, ça peut être pas mal, hein. Well, the reason is that the mission I wish to give you goes against our precepts. Ah. I was even forbidden from enlisting the help of other inquisitors. I don't think the Inquisition's usual methods will appease the God of Light. The Eye's reckoning is different in Drombak. More frequent, more powerful. And I want to find out why. Are you ready to follow me? Hmm. Ok. Intéressant. Héros de l'œil. C'est un arc? Very well. Our first order of business is to study the victims of the Eye's reckoning. Discovering what they have in common could give us insight into the heresy we're looking for. Protect me on the way, and I will examine the bodies. Ok, toi je t'aime bien. Mon dieu, ça fait tout, ça fait quasiment l'écran entier. C'est énorme. On a tellement de buffs et tout ça, c'est abusé. On a récupéré le critique en plus, ouais. C'est une adoratrice. Ouais, vous voyez la différence, l'adoratrice. Genre, là, nous, elle est 34. Je vais voir son arme. Ah oui, quand même, ouais, 63. Ouais. C'est pas de la merde. J'avoue que c'est pas de la merde. Hmm. 57 de base. Ah, 63. 36, pardon. Putain. Ah, parce que je suis en train de me dire. Ça, c'est la différence entre un personnage qui est de haut niveau, en fait, de base. Et ça, c'est un personnage qu'on a pris. Je crois qu'elle était niveau 8. Et on l'a fait monter de niveau. Genre, jamais, jamais elle rattrapera, en fait, un personnage de niveau 12. C'est ça qui est embêtant. Mais bon, c'est pas grave grave, hein, mais c'est comme je dis. Hein, là, là, on a la preuve. On a bien la preuve pour les adorateurs. Donc ouais, c'est pas grave. C'est vrai qu'ils ont tous les yeux, en fait, les adorateurs. J'aurais pu dessiner ça sur, sur elle. J'avoue. Bon, allons enquêter cette furie là du... De l'œil là, c'est quoi ce bordel? C'est un peu étrange quand même. C'est des... Ouais, c'est une mission, ok. Alors... There's nothing left of these merchants' wares. They could have been slavers or fur traders for all we know. That said, slavery goes against the Eye's teachings, so it could be the reason for their death. Let's not tarry. Ok, bon, ben, esclavagiste. D'accord. Ah, il y a plein d'endroits à visiter. Okay. On se fait Partez dans la forêt, honnêtement, les mecs, qu'on vous prenne en embuscade, là. Comme ça, vous êtes tous au même endroit et on vous enchaîne.
Yes. Comme ça, on leur court pas après, là, pendant trois plombes. Ah, elle va jouer avec nous, du coup. C'est marrant qu'ils aient enlevé complètement la mission, là où il fallait tuer la garde, là. C'est une voleuse à Tiltren. C'était une voleuse à Tiltren et ils ont complètement retiré en fait ça du coup. Cette mission n'existe plus. C'est intéressant. Elle est ouf. Ah mais elle combat pas avec nous? Adoratrice là? Non, elle doit pas combattre avec nous en fait. Ok, pas grave. On peut y aller un peu bourrin, on s'en fout. Faut juste placer Laura, puis après on enchaîne. Elle est où Laura? Un peu plus de monde quand même de ce côté-là, je vais voir. Très bien. Ah, le bouclier. J'ai pas changé de bouclier. Attendez, je le note, sinon je vais l'oublier. Changer le bouclier de Odel, O2OD. Ouais, Odel, on peut l'appeler Odel. Ouais, on a toujours le bouclier de merde, là. Je fais ça pour les apeurer, comme ça on peut peut-être gagner avec le moral rapidement. Alors toi. Bien. Qui tu peux défoncer, toi? Ah, parce que si on pouvait avoir un adorateur de niveau 12, je veux pas dire, mais elle ferait méga méga mal. Le fait de taper deux fois là, c'est très puissant. Genre de tout le temps taper deux fois. Ah! Bon bah toi alors. C'est violent hein, quand même les gorgeurs. Hein. C'est assez violent. Il y a un truc à lui, ce qu'on lui mettra... Ah merde, je peux pas y accéder. C'est le couteau là de lancer qui réinitialise son mouvement. Je crois que pour lui, ça sera extrêmement utile. Parce que j'ai remarqué que... Le problème pour enchaîner les égorgements, là, c'est le mouvement en fait. On peut pas vraiment trop en enchaîner parce qu'il perd énormément de mouvement.
en se plaçant dans le dos à chaque fois. Donc ouais, ça c'est une des choses qu'il faudrait... qu'il faudrait rajouter. Quand il sera 12, encore une fois, on a le temps. Pas mort. What? Mais ouais, à 12, on pourra... Genre, au lieu de prendre la nouvelle attaque, là, le coup d'éclat, je crois que ça s'appelle comme ça, on prend le fait de pouvoir revenir en arrière et prendre une habilité de plus. Et on prendra ça, on prendra le couteau qui réinitialise le mouvement. J'ai pas de bravoure. J'ai pas de bravoure. Non mais les... ces ours-là sont quand même bien bien pétés. Hein. Je veux pas dire. Mais... Surtout qu'on peut les attraper en niveau 14. C'est quand même incroyable. Encore 3 là. Bien. Allez. Je suis tellement content que cette dague, on puisse la monter de niveau. On n'a pas besoin de la farmer. C'est juste bête qu'elle ait pas d'étoile, mais... Mais c'est tout, quoi. C'est le seul point négatif de l'arme, quoi. Eh ouais, c'est con, hein. Ça aide pas énormément la déviation contre du poison et du saignement. C'est bête. Alors, inspecter les corps. Attends, par où on passe? Là, c'est en haut de la montagne, en fait. À gauche. Ah... J'ai envie de retourner pour le bouclier. Non, on va pas le retourner. On peut, hein, parce qu'on va vite. Hein, mais bon. On va avancer quand même. Ils sont où tes corps là? Ah, en haut. Là, on doit pas aller. On doit aussi faire un truc dans le château, je crois. Alizarian soldiers, no surprise here. These men probably blasphemed or committed some kind of crime against the Eye. Bon, l'inquisitrice là. Au début, t'avais l'air sympa et tout, t'avais l'air un peu la fille qui a de la jugeote en fait par rapport à tes congénères là, mais. Là, quand tu me sors ça... But I don't understand. These bodies are nothing like we saw earlier. We should keep going. Ok. Ouais, parce que j'allais dire, si tu me sors des trucs comme ça... Ah, ils sont morts parce qu'ils ont fait des trucs... parce qu'ils sont pas croyants. Voilà, bon. C'est un peu simple, quand même. One more thing, mercenaries. If I'm entrusting you with this mission...
It's not because I like hiring sellswords. Ah oui, non, lui nous a envoyé comment ça s'appelle? À la grotte. Non, au temple. Je crois que c'est lui nous a envoyé au temple. Oh là là, cassez-vous les machins. Are those wolves? Why would the eye punish wolves? It doesn't make any sense. Jeru's precepts clearly state that animals cannot commit heresy. Ah, il fallait prier. Il fallait qu'ils aillent prier à l'église, hein, les loups. Could there be a connection with the other reckonings? We studied three different occurrences and they didn't seem to have anything in common. It's as if the eye was striking at random. Oh, c'est pas mal ça. L'œil frappé aveuglement. Oh, c'est pas mal ça. No, that's impossible. The God of Light does not punish without cause. There must be another explanation. We will get to the bottom of this. Aveuglément même, pas aveuglement. Ok, ça c'est bon. Là. C'est bien qu'on puisse se balader sans problème comme ça. On doit pas faire attention à notre fatigue, rien. Ah, c'est not a pretty sight. The pony pulling the cart seems to have exploded. On dirait que le poney qui tirait cette charrette a explosé. Genre c'est pas la charrette qui a explosé, c'est le poney quoi. I wonder what these farmers did to deserve to die like this. Maybe they robbed a shrine on the way or insulted a priest. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit avec tes réponses de merde comme ça là? Arrête, hein. Maybe we're not approaching the problem the right way. Let's consider these bodies as a whole. The number of victims and impacts left by the eye's reckoning seems to increase as we move toward the celestial mountain. There must be something there. Something especially heretical. I'll meet you there with reinforcements. Ah, c'est pas la grotte dont on pouvait pas aller? Bah si, c'est ça. Où les mecs ils disaient attention, ça va s'écrouler, on pouvait pas partir, vous pouvez pas avancer. Ah, let's go. Non, bonjour, non, non, non. Let's go. Non, cassez-vous les indigènes. Hein. Touchez pas. On a déjà beaucoup de vos congénères, donc faites gaffe. On va faire ça. Oups. Ça. Oh, minerai. J'avais dit que je me mettrais avec l'influence, là, avec le drapeau. Je me mettrais de la résistance et tout. Enfin non, de l'expérience et tout en plus. Je l'ai pas fait parce que je pensais dormir en fait pour avoir plus de bravoure. Mais maintenant, je me dis en fait qu'il faudrait que je le fasse tout le temps, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre expérience. Parce qu'en plus, on est quasiment à 100 par nuit quand on dort. Donc on pourrait faire ça. Connaissance, on s'en fout. Le ramassage aussi, c'est intéressant. Et plus de loot. On pourrait encore rester éveillé plus longtemps. Enfin, je pense que ça sert un peu à rien, faut peut-être pas exagérer. Ça aussi, parce que ça reste toute la journée, du coup. Votre troupe est considérée comme n'étant pas recherchée. Si un délit est perpétré, l'effet de ce... Donc on peut... Ouais, si on est genre à 5 plus, 6 même. C'est 5 ou 6 5. On peut se mettre ça pendant toute la journée et on est tranquille. Intéressant. Bon, après, ça fait beaucoup d'influence à balancer quand même, hein. On va rester comme ça. On va faire attention à l'influence. Mais c'est vrai que c'est maintenant, c'est une grande possibilité de faire ça tout le temps, en fait. C'est juste que c'est compliqué de jouer sans bravoure. By the beast's fangs, I just can't catch a break. The mine collapsed and... C'est pas des conneries ce que tu nous dis. What? The Inquisition is coming. Curses. If they manage to get inside the mountain, a war could break out.
We must stop them from reaching the gate at all costs. Follow me. Quoi? Pourquoi? Ouh, c'est quoi ta grotte là? C'est quoi ça? Oh, attends, on mine hein, avant. C'est un temple, hein? Ta connerie là. Je suis sûr qu'on va trouver une tour avec un œil au-dessus. Mais bon. Non mais là ça c'est une porte, hein. Ah, on va devoir prendre part. In the name of the Eye, let us through, soldier. This mountain is off limits by order of Prince Erald. Do not oppose the will of the God of Light. Your prince is just a man and... And you're just an inquisitor. Is this funny to you? Mercenaries, these soldiers are heathens. They are trying to hide the heresy taking place in this mountain. Fight by our side. Alors, je vais être honnête. On va regarder les récompenses hein, avant de choisir un camp, parce qu'ils vont sûrement nous faire choisir. Mais je suis curieux en fait de ce qu'il y a dans la montagne. Donc, je serais d'accord de rester du côté de l'inquisitrice en fait et d'aller voir ce qu'ils cachent. Stop, mercenaries! What's in this mountain is beyond their understanding. The inquisitors must not pass. L'inquisitrice ne reculera devant rien pour découvrir ce qui déchaîne le châtiment de l'œil. L'épée droite en givracier ou l'héros de l'œil. Épée droite en givracier, c'est ce qu'on peut crafter, je crois. Bon, bah c'est parfait. Héros de l'œil, c'est un arc. Bon, bah ça tombe bien. Ça aussi, il faut bien penser dans le jeu qu'il n'y a pas besoin de vouloir d'essayer de faire roleplay. On est gentil, on se met toujours du même côté, tout ça. Non, ça dépend en fait de ce qui se passe. Puis basta, quoi. Genre là, notre fin, c'est de vouloir voir ce qu'il y a dans la grotte, quoi. Donc, on y va. 17. Éteint. En plus, on combattait à Lazare, donc bouclier, etc., etc. Alors, 3, 4, 5, 6, ici, 6. Il n'y a que 3 groupes. Ouais, là, sûrement dans le... Ok. Maintenant, tu combats. Tu peux te mettre en mode attaque, t'inquiète, on va gérer. On va juste essayer de se mettre un peu ensemble. Ok, personne ici, très bien. Ménette sur les côtés, on a Duan là. Et là en bas, comment on fait en bas? Ouais, en bas c'est un peu la merde. On peut prendre un fanatique avec nous. Parce qu'ils font mal. Ok. Laura, on va peut-être la mettre en bas. Ouais. On fait du poison, bordel, tout ça, là? Peut-être faire poison et tout ça. Fais voir.
Il est où notre empoisonneur? Il est là, Filak. Ouais, on va faire ça. C'est parti! On a eu que 3 points? C'était pas 4? Mort. Où tu vas? Où tu vas, toi? Waouh! Putain, j'ai eu peur. Tu sais que ça sert à rien? C'est pas compter? On t'a pas appris à compter dans l'Inquisition? Genre 499, c'est plus haut que sa vie. Hein. Aïe. Vas-y, cadeau. Et oh, toi, t'as quasiment rien pris. Enfin, rien pris d'extra, en tout cas. Oh, tu vas quand même mourir. Non, mais... Voilà, comme ça, c'est bien. Comme ça, toi, c'est... Tu tankeras, c'est bien. Comme ça, si tu crèves, on s'en fout complètement. Alors, on fait voir un peu... Ah oui, putain, chier. C'est vrai, il nous faut... Ok, là il y en a un, on va mettre un ours. On va pas mettre un ours. Je peux pas passer. On peut mettre un ours là par contre. Ah, tu peux critiquer autant de fois que tu veux. Hein. Yes, instinctif, nickel. C'est bien ça. C'est cette hache en early, je l'avais tellement utilisée, la main de la justice. Si la cible est engagée avec cette capacité, effectue une attaque d'opportunité. Elle est vraiment cool. Donc en gros, tu tapes tout le temps 2 fois. Grosso modo. Bon, par contre, là, je peux pas passer... Joli. Toi, t'es mort. Pourquoi t'as pas bougé, c'est bizarre. On va faire ça. Oh, le bruit que ça fait, ce truc, à chaque fois. C'est la flèche qui fait triple dégâts, c'est ça? Ouais. C'est pas mal, hein, flèche de l'œil. Hein. C'est pas mal, ce truc. Hein. Ah, mais c'est ça qu'elle va nous donner, héros de l'œil. Ouais, j'avoue que c'est pas mal. J'suis en train de me demander si ça serait pas mieux...
Ah, mais on peut pas l'augmenter, ça. Je sais pas, on verra. Héros de l'œil plutôt que le l'arc qui met la marque là. D'accord, tu fais pas de critique, c'est bizarre. Ah oui, mais non, l'armure. L'armure. Tu peux faire des gros dégâts, s'il te plaît ? C'est un peu de la merde. On va devoir te sauver, c'est bien. Ok. J'essaye de faire la place en fait pour que l'ours puisse passer. Ah bah ça y est, c'est bon. Bien. Ça, c'est aussi une bonne chose pour les animaux qu'on contrôle pas, parce que maintenant tous les animaux ont une deuxième attaque. Enfin, beaucoup ont deux attaques, mais l'attaque coûte de la bravoure. Et du coup, si on les contrôle pas, bah, ils peuvent la faire sans utiliser de bravoure. Donc c'est vrai que ça, c'est une bonne chose. Ok, maintenant il va faire du critique. Ok, elle faudrait la sauver en fait. Enfin, la sauver, façon de parler. Hein. Parce que cet arc est utile. D'accord. Cet arc fonctionne bien, ça permet de faire taper les animaux, je suis d'accord. L'autre qui perce, pareil, ça marche très bien, c'est utile. Mais celui-là qui met la marque, c'est pas des masses utiles. Eh mais... Hein? Les attaques critiques, c'est... C'est en option, c'est ça? Ça m'embête, là. Bon, ça va. On l'a sauvé, putain. Les dégâts, quoi. Je peux... Ah, c'est chaud. Pas encore joué. C'est vrai qu'on est beaucoup en plus. Hein. Ils sont encore une dizaine. Attends, peut-être que je peux me coller comme ça. Avec de la chance, on tape deux fois.
Pas de chance. Ah. Faudrait qu'on refasse aussi l'arène. Comme j'ai dit, on la fera quand on sera niveau 11. Je vais devoir tellement farmer d'argent maintenant que j'y pense. Parce que c'est bien beau de d'augmenter les armures, mais il va falloir aussi que j'augmente les armes. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça va être cher. Ça par contre, c'est vraiment pas fun quoi. Toi c'est bon. Pour être franc, à la limite, le... J'aurais pu me mettre là pour gagner du bonus de dégâts, c'est pas grave. À la limite, c'est mieux de faire des armes avec le nouveau métal et d'utiliser les nouvelles armes. Hein. Franchement. Au moins, on les paye pas, parce que là, payer, ça va être méga cher. Enfin, je vais être obligé, hein, de toute façon, parce que bon, c'est des armes légendaires et tout, mais... Mais les mettre à niveau, c'est quand même vraiment, vraiment très très cher. Trop, peut-être. Je... Je pense que... Ouais, c'est cet arc qui n'est pas vraiment utile. Donc, je verrai bien l'arc de l'œil, là, peut-être. Mais... je pense que c'était peut-être moins cher à l'époque pour monter les armes. Après, dans un sens, j'étais pas, allé aussi loin avec les armes parce qu'on avait fini bien avant. On va le tuer en... Enfin, on va finir le truc en plus avec un autre tour. On peut taper le mec à côté pour faire plus de dégâts. On va se mettre là. Quoique non. C'était con. Je viens de m'exposer à l'archer, c'est débile. Ah, c'est un peu long ces combats. Ah, comme j'ai dit, ils sont nombreux. Où tu tires? Ah, c'est du feu. Ah non, c'est de la boue. Bah non, oui. C'est de la boue. Ouh, 68 directement dans la vie, ça fait mal ça. C'est pas mal ça. Bon, toi tu nous fais un peu chier par contre. Joli. J'avais peur qu'il me tue mon loup. Donc très très beau. Non, non, tue tout le monde.
Eh bien, ce truc, c'est que ça force à engager, en fait. Donc, ça tape tout le temps deux fois. Même si la cible est déjà engagée, ça tapera deux fois. J'aurais pas dû envoyer ça. Et bah voilà. 558, ça, c'est pas abusé. Qu'est-ce que ça fait mal, cette épée? C'est ouf, quand même. Allez, plus qu'un. On y est. Il est où l'archer ami des bêtes? Il est ouf. Mais il était pas là? Ah putain, il est là, Arnius, putain. Oh. Ah, j'avoue, ça aussi. Une petite armée de moustiques où on tire et ça... Oh, yes. Oh, cool. Une petite armée de moustiques, on met tout autour quelqu'un et on tire et ils tapent tous. Oui, c'est pas de la merde. Pas mal, là, ce qu'on a récupéré. Good thing I brought reinforcements, right? Ouais, on aurait pu se débrouiller seul. Now let's see what they're hiding. Ça doit être un temple. Genre, ça fait deux armées côte à côte, c'est marrant, sympa. Mercenaries, we found it. Beyond this gate lies the heresy we're looking for. I'm sure of it. A sacrilege so great it unleashed the Eye's reckoning upon a whole county. Ouais, tu vas te calmer avec. This discovery would not have been possible without you and your unfailing dedication. Please accept this reward as a token of my gratitude. Ouais, faut que tu te calmes quand même. Merci. Ouais, pas mal, pas mal. It's an honor to take up arms in the name of the Eye. Even more so when we're fighting heretics. Count on us to open this door. We will call you as soon as it's done. Okay, ça c'est cool, c'est sympa ça. The High Inquisitor always says that every closed door hides a heresy. Just imagine what's going on behind this one. Ah, c'est pas mal comme discours. Du coup, t'es obligé d'ouvrir ta porte. Putain, ils sont trop bien les Inquisiteurs, ils sont marrants. Avec leur logique complètement twistée, là, c'est marrant. Ça me rappelle un mime, ou un mème en français. Je déteste dire mème, je trouve ça tellement con. Enfin, mime. Donc un mime, avec, c'était une photo de... genre, je crois que c'est une peinture. Enfin bref, c'est une photo de Jésus qui tape à une porte. Et qui met... qui dit... je vais essayer de m'en rappeler. Hein. Genre, ouvre la porte. Je sais plus exactement ce qu'il dit. Ah, oh, putain de mémoire de merde. Genre, il dit ouvre la porte. Pour accepter mon amour et tout. Et ou un truc comme ça. Et le mec refuse. Et il dit... c'est pour éviter de subir la colère. Et il met la colère de qui? Ben, la mienne. Ah, c'est moins drôle quand je le dis comme ça. L'image est drôle. Faut regarder l'image, faut trouver le mime, c'est plus drôle. Mais ouais, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Et il m'en faut peu pour rire des fois. J'ai l'impression que l'Inquisition, c'est un peu le même système, quoi. Ah, vous voulez pas ouvrir? Bah, c'est, du coup, c'est que vous êtes des hérétiques. Bon, donc ouvrez.
Dans tous les cas, t'as tort, quoi. C'est marrant. Je sais pas où je vais, là. Je suis en train de... sur le chemin pour rentrer. On n'est jamais fatigué, c'est incroyable. Oui, parce que de un, le bouclier. Et de deux, je veux déposer les armes qu'on a là. Parce que je veux en garder quelques-unes. Alors. Flèche de l'œil. Donc ça, c'est niveau 12. Ça, on va le garder. Et je vais être franc, je pense que ça sera plus intéressant pour l'autre. Là, on a le marteau du fuyard. Les dégâts ignorent la garde. Ah, ça peut être intéressant. L'hallebarde d'Alazar, on en a déjà. La targe d'Alazar, on en a deux de niveau 13. Toi, t'es toujours 11. Ah, c'est con. Ça, on les garde. On va reprendre celle-là. Tir debout, on garde. Ça, on pose. Carcasses aussi, on peut les poser. Les carcasses, je les garde. C'est juste pour faire des pots au final. C'est pas vraiment très très spécial. Ouais, par contre, j'ai gardé ça parce que... 56, 54... Ouais, non, c'est vrai que c'est bon. Ouais, non, ça, c'est ce qu'on avait construit. Et puis, en plus, oui, on l'a en 3 étoiles. Mais ça, c'est pas mal, en fait. Hein. Les dégâts ignorent la garde. C'est sympathique, je vais être honnête. Mais bon, nous, on a ça avec... qui a bientôt augmenté. Je lui ai mis ça aussi pour elle. Je sais pas si je l'avais dit. Elle peut taper deux fois, 25% de chance de taper deux fois. Et elle met fièvre en fait. Donc c'est pas si mal. Je trouve que ça va bien avec, avec ce qu'elle fait. Donc ce bouclier on s'en fout. On va mettre celui-là. Voilà, comme ça elle peut taper. Parce que si elle tape, elle a une chance de retaper avec la masse. Donc ça a beaucoup plus de sens en fait de faire ça. Bon, après, on va le garder, le bouclier. Hein. C'est juste les collections, quoi. Bon, du coup, ça... Quoi que ça... Gardez. Par contre, je suis un peu... Alors, je suis pas déçu, mais... J'aurais bien voulu qu'on trouve plus de gens à recruter. Un peu comme ce qu'on a fait avec les bénévoles. Pas les bénévoles. Make sure to close the door behind you. Those nosy inquisitors are everywhere. Parce que là, on a au final un archer, deux assassins au couteau et une femme avec avec la masse. J'aurais bien vu qu'on ait autre chose. Après, on aurait pu, mais c'était pas très très intéressant les habilités. Genre, je me rappelle, il y avait un lancier, je crois. Je crois que son truc spécial, c'était... S'il se met à côté d'un allié, il donne support. Au lieu que ça soit deux alliés, il n'y a que lui, ça suffit. Un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas intéressant. Thanks to you, my remedy is almost ready. Do you need anything else? Ouais, après le reste est pas très très intéressant. Parce que là, quand même, tous ils apportent des trucs énormes. Bon, lui c'est surtout... Bah, quoi que non, lui honnêtement, le soin du... pour les ours, il est vachement utile. Mais c'est surtout pour Berserk. Toi, t'as ça. Troupe nue ne peut pas gagner galvanisation. Je fais jamais vraiment attention, mais s'il faut, ça a été vachement plus utile que ce que je pense. Toi, c'est l'œil de lynx qui est vraiment très utile. Et toi, l'expérience des pillages qui est magnifique, en fait. Potentiellement le plus intéressant. Après, ouais, le reste qu'on avait vu, c'était pas tellement bien. Ah bah du coup, on va devoir s'arrêter là. J'avais pas vu. On va devoir s'arrêter là. Bah du coup, on va peut-être dormir.
On va peut-être dormir. Comme ça, on récupère de la bravoure et on continue la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Oui, c'est cette grotte caverne oubliée. Oui, oui, c'est celle-là qu'on a vue. Faut qu'on y aille. Oui, parce que j'ai cru qu'on l'avait vue là, mais en fait, non, non, on était complètement de ce côté-là. Ok. Peut-être qu'on ira au centre d'entraînement aussi pour aller augmenter les armes. Pas beaucoup, mais peut-être balancer, parce qu'on a 14 000. Allez, balancer 4 000 dans les armes, ce serait pas mal. Might she be looking for? Here is your reward. People are giving me dirty looks. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est voler. Voler des ressources. Qu'est-ce qu'ils vendent ici au marché? Comme ça, je fais des échanges et je les vends très cher. I'll head south as soon as I sell my wares. Away from those heretics and this cursed county. Ça serait pas mal des fois. Mais du coup, il faut... Le problème avec le fait qu'on dorme quasiment plus jamais, en fait, c'est que pour blanchir les objets, c'est très compliqué. Ça devient extrêmement compliqué de blanchir les objets. Donc il faudrait que je dorme sans utiliser trop de nourriture, en fait. Importante. Et après, je redorme par-dessus pour me buffer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, la chance! Ouais, mais c'est pas blanchi. Ouais. Ça change pas le problème. J'aurais préféré que ça soit blanchi plutôt qu'autre chose, en fait. Je pense que je vais... Ouais, mais en plus, on a de l'expérience en plus. Là. Donc, ça serait du gâchis. Ah, c'est con, ça tombe super mal. Parce que là, si je mange genre des conneries, genre que du poisson, par exemple, exprès pour passer la nuit et voir si ça blanchit ou pas. Parce que si ça blanchit pas, bah après, on n'est pas recherché dans un sens, donc on s'en fout. Non, mais ça va, on s'en fout. Normalement, on peut se buffer, du coup, on peut se buffer. Si je dors deux fois d'affilée, on va perdre le 10% d'expérience en plus. Ce serait un peu débile, quand même, de perdre ça. Non, velouté, pas velouté. Velouté délicieux, ça. Animaux. Ça, ça, ça. Ça, et ça. Ok. Ouf. Qu'est-ce qui descend vite? Ouais, il y a le ragoût. À la limite, faudrait peut-être pas trop en abuser. Bon, après, le ragoût se fait quand même 10 nuits, quoi. Enfin, 10 repos. Ouais, on est bien, là. On a le... C'est quoi, notre poids? Ouais, mais ça sert à rien du tout, ça. On est bon. Oula. Des éclairs. Alors, les ronflements de haine ont dérangé Odélus. Odélus, c'est un prisonnier, donc on s'en tape. Alors... Ah, blanchi, yes, on a eu de la chance. Regarde-moi. Oh, 90, c'est top. 5, 5, 15, c'est trop top. C'est super, en fait, de, honnêtement, de voir tous ces bonus, c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment sympa.
voir, ils ont été piqués, les indigènes, là. Ah, faut pas dire indigènes, c'est pas bien, apparemment. Donc ça, ça a été blanchi. Nickel, je suis content. Oh merde, et toi devant, plutôt. Ouais, quoi que... Honnêtement, tu peux... Enfin, l'influencer, quand même. Jeter le corps, on en met un nouveau. Qu'est-ce que tu veux, toi? Johan a l'air de... Johan a l'air de bien s'adapter à la troupe. Ouais. Ouais, ouais, il s'adapte bien. Ouais. C'est pas comme s'il était là depuis le début. Ouais. Hein, c'est pas comme si tu le connaissais. Ah tiens, en pensant à ça, j'ai pas testé le truc de virer une personne pour qu'il y ait plusieurs titres, en fait. Il est con, lui. Ah, bienvenue, Johan. T'as l'air de bien t'adapter à la troupe. Ouais, ouais. Abruti, quoi. Ok, on est bon. On va déposer les fourrures, là, parce que ça pèse une tonne, même si on a... Même si ça nous pose pas vraiment de problème. Là. Bon, là, j'avoue, on a eu de la chance. Parce que des fois, ça m'est arrivé que ça blanchit pas. Et comme j'ai dit, du coup, bah nous, on se fatigue jamais, quoi. Donc ça fait con d'utiliser autant de nourriture juste pour passer des repos. Ça, c'est vraiment le problème, en fait. Tiens, en parlant de ça, avant que j'oublie. Parce que sinon, j'oublie. Mais là, du coup, c'est à 200. Ouais, c'est 200. Ah, ça fait chier. Après, on peut le faire. Ouais, parce qu'on en a quelques-uns de côté. Est-ce qu'on peut se rendre encore plus puissant? Non. La troupe gagne plus de putain après un combat. Je l'avais pas mis, ça? Non, je l'avais pas mis. Et après, je peux faire en sorte de... Genre se fatigue encore moins. Mais... Bon bah voilà. Tout ça de bonus. On va s'arrêter là. Regarde-moi ça, comment c'est beau. C'est bonus, c'est magnifique. Il est magnifique, magnifique, magnifique. On va s'arrêter là. Continuer la prochaine fois. Prochaine fois, je sais pas ce qu'on fait. Si on a... Oui, comme j'avais dit, on va peut-être donc monter un peu des armes, balancer un peu d'argent et faire la caverne oubliée. Sur le passage, on fait ces cons-là. Et le village maudit, non, parce que c'est la merde, honnêtement, les villages maudits. Donc, comme j'ai dit, j'attends qu'on monte de niveau. Le temple, je suis sûr que le tombeau, on peut le faire, honnêtement. Je suis sûr qu'on... Je pense pas qu'il va y avoir trop de problèmes. Mais... J'ai pas envie d'avoir des surprises, genre... Si quelqu'un n'est, enfin, se fait choper, il se fait one shot parce que voilà, genre un moment d'inattention ou genre pas de chance qu'il y avait un des zombies là, un des revenants à côté ou je sais pas quoi. Parce qu'ils font super mal, hein, les rampants ou les trucs comme ça là, ils font méga mal quand ils tapent. Donc j'ai pas trop envie de ça. Surtout pour mes affranchis. Donc je préférais que tout le monde soit niveau 11. Ça serait quand même vraiment utile. Après, niveau 11, c'est pas pour maintenant. Ouais, c'est vraiment pas pour maintenant. Ça, c'est un peu chiant. Mais enfin. Mais ouais, à la limite, on pourrait peut-être faire les rats. On verra déjà comment on avance là. Ce qu'on fait. Mais oui, on a aussi le repère à finir. Je sais pas, on verra. Peut-être qu'on peut faire les rats à la limite. Parce que au moins, même si les rats c'est difficile, on se connaît comment ça fonctionne, en fait. Donc bon, on a plein d'AOE et tout ça, il n'y a pas de problème. Donc même si c'est difficile, on va y arriver. Il n'y a pas... C'est pas possible de pas y arriver, en fait. Enfin, j'espère en tout cas. Donc voilà.
À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.